Oh. Allez, Chloé, ne fais pas ça. Hey, laisse-moi une chance. Léo, je te dis, je connais toutes les histoires de Noël. Ah, toutes les chansons, j'exagère un peu là, non? Bon, on va faire un petit exercice. Regarde par ici, s'il te plaît. Ça. C'est pas pantalon. Tu connais ça? Rudolf, il arrive dans les rouges, c'est bien mangé. Ok. Suivante, s'il te plaît. Ça. Tu connais ça? Madame, ça va nous faire mal. Ben oui, je connais ça. Daniel Blanchet de Victoriaville. C'est ce qui fait prendre la vie dans le livre, c'est normal. D'accord. Très bien, tu me connais très bien. Suivant. Ça, tu connais? Ben là, Cosmo, c'est un classique. Suivant, ça, tu connais? Wow, t'es sérieux? Le Grinch. Non. Suivant, s'il vous plaît. Ça, tu connais? Oh, trop cute! Hein? Ah! C'est Raymond et moi. Tu vois, Raymond, c'est un vieux voisin, c'est un vieux pote. Mais moi, on est fait les 400 coups. Hélas, Raymond n'est plus de ce monde. Il nous a quittés. Un monde meilleur. Mais, c'est pas. Cependant, il faut avouer qu'il était délicieux, Raymond. Bon, allez, suivant, s'il vous plaît. Ça, tu connais? S'il vous plaît, c'est l'histoire de Paris responsable, l'histoire de Noël. Non, de Paris responsable. Abandonne, j'oubliais que j'avais ma présence honorable encyclopédie des contes de Noël en personne. Léo, je crois pas que c'est juste une histoire de Noël que je cherche. Ouais. Je me suis toujours demandé pourquoi cette date était si... exceptionnel. Oui, c'est ça, exceptionnel. J'aimerais que tous les jours puissent être comme celui-ci. Quand c'est Noël, on se rassemble, on aime un peu plus, on donne un peu plus. Et Chloé, tu as tout à fait raison. On donne un peu plus. Je connais justement la personne la plus généreuse au monde. Tu dois me faire confiance. Car je suis le grand, magnifique conteur des histoires d'ici d'ailleurs, grand Manitou. Maître, regarde, les histoires, c'est de partout! Oui, allons-y!